bienvenue sur Oprah d'Archerie, c'est Robin Gardeur. Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner sur ma page YouTube, donc de vous abonner, vous pourrez suivre les prochaines vidéos et les prochaines annonces qui arriveront sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, il y a un jeu concours avec une veste Okasport à gagner, donc une veste déperlante. Donc, si on arrive à 500 abonnés avant la fin de l'année, il y aura un tirage au sort et un heureux gagnant aura une veste déperlante. Sur ce, on attaque la vidéo. Donc, cette semaine, j'ai eu un gros arrivage de poignées SCHBO Traditional Archerie. Donc, mon partenariat évolue avec SCHBO Traditional Archerie. Et maintenant, en fait, je suis revendeur officiel France et pays francophones. SCHBO, en fait, m'a envoyé des poignées pour mon stock. Donc, je me retrouve avec 5 poignées en stock et 5 autres poignées qui vont arriver dans les semaines, mois à venir. Et je vais vous présenter un petit peu ces poignées-là parce que plus vite elles partiront, plus vite j'en rentrerai tout simplement. Donc voilà, le but c'est de vous le faire découvrir. C'est vraiment du travail magnifique et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc, première poignée. Donc regardez au fait les nouvelles housses SCHBO Traditional Archerie qui protègent super bien votre poignée. Elles sont protégées contre les chocs et aussi contre la température. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de petites housses. Et c'est 20 euros de plus à l'achat de la poignée. Donc c'est vraiment négligeable. Et ça fera que protéger votre poignet d'autant plus. Alors, première poignée, Micarta et Zebrawood. Donc c'est une poignée que je fais souvent faire. J'aime beaucoup ce bois-là et cet assemblage-là. Avec la fibre de verre rouge et noire qui est un petit peu le symbolique de SCHBO Traditional Archerie. Donc très belle poignée, droitier, c'est une 19 pouces, donc on est sur une poignée assez grande, avec une grande fenêtre, donc voilà. Elle n'est pas encore sur mon site internet, mais je vais la mettre dans les jours à venir, enfin, ça dépendra de quand sort la vidéo. Mais vous pouvez me contacter parce que toutes les poignées que je vais montrer sur cette vidéo sont bien sûr à vendre. Alors là, un petit peu plus grande, poignée 21 pouces, Icaro, donc Ebony et Micarta, renfort fibre de verre jaune et rouge, un petit peu rappel à l'Espagne qui est le pays de fabrication de ces poignées, donc on a souvent ce mélange là jaune et rouge dans les poignées et ça donne un petit look sympa aussi, j'aime bien ce jaune, il n'est pas trop pétard, c'est assez discret et ça donne un super look. Et bien sûr, l'ébène stabilisée est magnifique, vraiment magnifique. Vous pouvez voir les lignes très droites du bois stabilisé, puis sa couleur, voilà, est vraiment sublime. Donc maintenant, il n'utilise quasiment que du bois stabilisé pour une question de poids et de résistance. Donc voilà, ça ajoute un gage de qualité au poignet qu'il fabrique. Magnifique poignée en 21 pouces, disponible à la vente aussi. Et celle-là est déjà sur mon site internet, vous pouvez aller la voir. Ah, 17 pouces, Tech Micarta, fibre de verre blanche et noire. Donc 17 pouces, parfait pour les chasseurs ou pour les petites allonges. C'est la grandeur de poignée que j'utilise moi justement parce que je chasse avec ces arcs là, donc je fais un petit peu de compétition avec, mais surtout de la chasse à l'arc. Donc superbe petite poignée en 17 pouces avec une fenêtre très très courte pour les tireurs instinctifs, c'est vraiment le top. Alors 19 pouces, Icaro Wood,
donc Coco Bolo stabilisé, vraiment magnifique. C'est une poignée, alors celle-là elle me fait vraiment de l'œil. D'habitude je prends que des poignées Micarta pour moi, mais là je suis en train de me dire est-ce que je vais pas la garder pour moi. Elle est vraiment magnifique avec son renfort en fibre de verre noir devant, renfort noir et blanc au milieu et renfort noir et blanc à l'arrière aussi en fibre de verre. Et son Coco Bolo stabilisé est vraiment sublime. Et au toucher, elle est super agréable en plus, c'est vraiment agréable. Et c'est une poignée qui est intéressante pour les femmes et pour les jeunes justement, parce qu'elle est légère. Donc voilà, ça permet d'avoir une poignée pas trop lourde. Ou comme moi qui tire un longbow la plupart du temps, je trouve que des fois les poignées Micarta sont très lourdes, on est habitué à des arcs légers. Donc avoir une poignée bois, ça peut être un bon compromis. Surtout que bon, là sur du bois stabilisé, on n'a aucune crainte à avoir, ça ne bougera pas. Et vraiment joli, vraiment très très belle poignée. Donc pareil, ben, celle-là elle est déjà sur mon site internet, vous pouvez aller la voir de suite. Et bon, ben, elle est à vendre, donc dès que vous avez visionné la vidéo, si la poignée vous plaît, n'hésitez pas à aller voir mon site internet robtradarcherie.fr. Dernière housse à ouvrir, donc là, qu'est-ce que je vais avoir dedans? Surprise! C'est quelque chose que je fais rarement, j'ai une poignée gaucher en stock. Donc, ébène et micarta, fibre de verre rouge, 19 pouces, super petit grip. Voilà, juste, c'est la même poignée que la droitier, sauf qu'elle est gaucher. Et très belle poignée avec un bel assemblage de bois. Alors c'est vrai que je rentre rarement des arcs gauchers, mais j'ai de plus en plus en fait de gauchers qui me contactent, j'ai jamais de quoi leur faire essayer. Donc je me suis dit ben, c'est le moment de rentrer peut-être une gaucher. Et sur chacune de mes commandes, si j'arrive à vendre bien sûr cette poignée dans la prochaine commande, j'aurai aussi une autre poignée gaucher. Ben voilà, je sais qu'il y a de plus en plus de gauchers dans le tir à l'arc. Donc autant leur fournir du matériel de qualité et des poignées magnifiques comme celle-là, qui est vraiment sublime. Je trouve que c'est la plus belle poignée que j'ai même en stock. Donc voilà. Bah, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube RobTradArcherie, parce qu'il y a le jeu concours avant la fin du mois de décembre. Il faut qu'on ait 500 abonnés pour que quelqu'un gagne une veste au Casport déperlante. En plus, je vais lancer les nouvelles casquettes RobTrad, donc restez connectés à la chaîne YouTube parce qu'il y aura une annonce dessus. Et bien sûr, allez voir mes différents réseaux sociaux, RobTradArcherie sur Instagram et RobTradArcherie sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt.